Yo, salut les amis, j'espère que ça va. Je vous retrouve avec la forme, avec le sourire, avec la bonne humeur. Je suis content. 4 vidéos en 2 semaines. Donc 2 vidéos par semaine. Je vais essayer de garder ce rythme. En tout cas, j'ai envie de reprendre YouTube comme il se doit, en enchaînant les vlogs, les tests de matos, vous partager ma life et toutes mes aventures. Là, il y a des beaux trucs qui arrivent, donc j'ai très hâte. Bref, dans ma précédente vidéo, donc dans celle de mercredi, je vous ai dit que j'avais créé ma société. Et dans la continuité de cette vidéo, je suis resté à Paris et j'ai demandé à Steven une faveur. Alors Steven, si tu ne le connais pas, il est apparu dans plusieurs vidéos. On est parti au Pérou ensemble, on est parti au Bardenas. C'est un photographe voyage et mode. Il fait ce genre de photos. Il a une vision très personnelle de la féminité. On va en parler tout à l'heure. Et j'ai demandé à Steven une faveur. Je rêve de tester la photo studio. Et au-delà de ça, j'ai des demandes de clients qui me disent « Tiens, on aimerait que tu nous shootes des produits également en studio. » Sauf que je m'y connais pas trop. Donc, il faut que j'apprenne. J'ai pas encore investi. Steven, c'est un tueur dans le domaine. Et je lui ai demandé de m'apprendre en 5 minutes, qui se sont transformées en 20 minutes, la photo en studio avec flash. Et je peux vous dire que ça m'a mis une belle claque. Enfin, Steven m'a mis une belle claque parce que tu sens que le mec est calé. Et vous allez voir dans cette vidéo, c'est très instructif. Donc si tu connais pas la photo studio ou si tu t'y connais, cette vidéo devrait te plaire. Steven, j'ai un rêve. Et je te jure que c'est vrai. C'est un truc que j'ai envie de tester depuis longtemps, je t'en ai déjà parlé. J'ai jamais shooté en studio. Je veux que si tu as 5 minutes, on setup n'importe quoi, on connecte un flash à un boîtier et tu montres en 5 minutes. Quels sont les gars en train de se dire? C'est chaud. Okay. Et je veux que tu me montres en 5 minutes comment on prend des toffes en studio. Juste voir comment ça marche, les lumières, tout ça, les flashs. La lumière continue, tu vois, je connais. Mais le flash, là tu réaliserais un rêve de gosse. Alors, ok, 5 minutes, on va faire un setup ultra simple. On va faire un setup une light. Et on va surtout briefer sur l'émotion. On va shooter en noir et blanc. Donc on va faire fond noir ici. C'est déjà le mur. On va faire un flash, c'est le flash qu'on a vu tout à l'heure avec le grand parapluie. Et je vais tout simplement aller chercher mon boîtier. Et on va, 1, régler la bonne puissance de lumière pour avoir la bonne lumière, ça c'est la priorité. Et une fois que c'est bon, uniquement se concentrer sur l'émotion, sur la chose qu'on veut raconter, sur un portrait, c'est pas juste quelqu'un avec de la lumière. C'est en priorité, quelqu'un, son émotion, mis en lumière, on va dire. Donc on va setup une lumière basique, simple, efficace, et on va se concentrer sur le killer look, le killer shoot. En vrai, je suis trop content. Yeah, ok. Alright, let's do it. Alors, la lumière, on va aller vite. Tu m'as donné 5 minutes, donc je vais le faire en 5 secondes. Hop là. Ah, ça passe pas, j'avais jamais essayé. Il n'y a plus de batterie, donc ça va aider. Allez vite. Donc là, il y a une carte, on est bon. Je prends le déclencheur de flash, qui fonctionne de pair, tu l'as deviné, avec le flash. Alors, je suis allé rendre visite à Steven une nouvelle fois, parce que, comme tu le sais, on prépare une formation sur la photo et la vidéo pour les créateurs de contenu. Vous allez voir, ça va être très stylé. On est allé shooter toute cette formation entre le Cap Ferret, les Bardenas et Paris. Donc ça sort très bientôt et je t'invite à cliquer dans le lien en description pour ne pas louper les annonces suite à ce lancement. Donc à pleine puissance, laisse tomber ça. Ça c'est incroyable. Hop, ok, on est bon. Donc là, on va se régler celui-là, ça comme fond. Alors moi qui suis aujourd'hui photographe professionnel, je bosse essentiellement avec des clients du secteur automobile, des clients de la mobilité urbaine, des acteurs du voyage. Je shoot tout le temps en extérieur. Mon dada, c'est les couleurs et les basses lumières. Et autant te dire que la photo en studio, en termes de réglage, c'est assez loin pour moi. Enfin, c'est même inexistant puisque bah, je m'y connais pas du tout. Du coup, petite révision technique avec Steven sur tout ça. C'est quoi la base de la photo flash? En gros, le flash, tu peux pas shooter plus rapide que 250e de seconde. Donc tu peux pas aller au 4000e de seconde, sauf si tu as un flash spécial avec une synchronisation rapide. Et la raison pour laquelle tu veux shooter au flash, c'est que tu veux la lumière la plus nette et la plus crisp possible. C'est pour de la pub, tu veux bien montrer le produit, tu veux bien montrer les couleurs. Et un flash qui vaut cher, il vaut cher parce qu'il va déclencher exactement la même puissance à chaque fois. Il va avoir exactement la même couleur à chaque fois. Il n'y a pas de fois où il va être plus chaud ou plus froid. Okay. Et il va être capable de déclencher très vite. Et il va
donc genre une fois par seconde, et il va être capable de délivrer énormément de watts, donc là c'est 1000 watts, en un millième de seconde. Donc c'est pour ça que tu prends un flash comme ça. Et ce gros truc là, c'est un diffuseur. Ou un modeleur. Ton modeleur, en fait, t'en as plein de sortes. Celui-là, c'est un parapluie, donc le flash va taper dans le parapluie qui va refaire un reflet, qui va donner un accent métallique, qui va concentrer la lumière sur quelque chose d'assez spot. T'as des diffuseurs qui vont être plutôt des octas, donc c'est comme un rideau blanc, ça passe à travers, ça va beaucoup plus diffuser, ça va être plus doux, et ça va faire une lumière qui vient d'un spectre plus large. Oui. Pour de la beauté, tu vas vouloir l'ombre la plus douce possible, tu vois, un bon dégradé. Pour de la mode bien fashion, bien Yves Saint Laurent, tu vas vouloir une ombre très marquée, vraiment forte. Mais par exemple, sur une femme, c'est assez rare que tu veuilles une ombre très marquée, parce que ça durcit les traits. En termes, on a parlé de vitesse, en termes d'ouverture. Tu fermes beaucoup. Tu fermes beaucoup. Ouais, je suis entre 7 ou 11, 13, okay, à peu près. En gros, l'idée, c'est que ton flash, si tu utilises le flash, c'est que tu veux une photo fucking nette. Tu veux voir les mailles du produit, tu veux voir les cheveux, tu veux tout voir. Ouais. Donc tu veux une ouverture de 8, 11, okay, bien petite pour que tout soit encore plus net. Tu veux pas de bokeh du tout. Ok. Là, on est sur du détail, ça change pas énormément. Mais globalement, c'est ça l'idée qu'on va chercher sur ce shoot. Donc là, on est à 7. Là, on va se mettre à 250ème de seconde. Je vais parier sur une ouverture de 9, 100 ISO. Et on va tester si ça marche. Sur la distance, après, c'est bon, c'est l'œil, hein, c'est l'habitude. Ok. Donc j'imagine que quelque chose comme ça, ça va pouvoir marcher. Tac. Et je vais te demander de te positionner. Là, il y a un truc qui s'appelle la lampe témoin ici, qui peut être utile parfois. Ça te montre un peu où va être la lumière. Donc si c'est... Il y a des gens qui aiment pas trop shooter au flash parce que tu n'arrives pas à prédire à quoi ça va ressembler. Ouais. Donc tu peux allumer un témoin pour voir où va être la lumière. Et toi, je vais te mettre dans la lumière. Tu le vois là, un petit peu? Ouais, ouais, là, sur ton visage, on voit bien. Je recule encore, encore. Ouais. Ah. Et là, le métier le plus dur de toute l'industrie de la photo, c'est celui où tu es toi. Ça se passe. Nice. Ouais. Donc là, tu fais quelle vitesse? Non, pas du tout. Non, là, tu fais. Ah, là, c'est bien. Ok. Ah, le stress! Ah, le stress! Ah, c'est bien, super. C'est cool. Regarde-moi, on en a. Attends. Pas du tout à l'aise. Yes! J'ai pas du tout à l'aise, mon gars. On doit être derrière. En noir et blanc, on voit pas que t'es tout rouge. Et ouais, mon gars. Ah ouais. Bon, je te cache pas que j'étais mal à l'aise. J'aime bien être derrière l'objectif, mais être devant, c'est un autre truc. Donc j'étais pas du tout serein avec les flashs qui partent dans tous les sens. Steven qui met la pression. J'ai beaucoup shooté à des moments que t'as pas choisi pour choper quelque chose de plus naturel. Ok. Et là, qu'est-ce que tu fais? Essayer de shooter le plus possible pour essayer d'avoir différentes émotions, différents traits du visage. Avec toi, je mitraille pour en prendre 300-400 pour avoir la chance d'en avoir une de bonne. En gros, ce que j'essaie de faire, c'est de... En fait, c'est marrant, mais il essayait vraiment de me faire rigoler ou de me faire penser à autre chose pour que je sois détendu, pour que j'ai un rire spontané et qu'il me shoote à ce moment-là. Finalement, ça rend des photos plutôt pas mal. Ça donne ce type de photos. J'essaie de choper à un moment où tu contrôles pas. C'est-à-dire que ce qu'il y a de plus dur à produire comme émotion, c'est naturel. Ouais. Donc les mannequins, elles savent le faire. C'est un métier, c'est un vrai métier. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, mannequin, c'est facile, tu te pointes, t'es joli, et bam, c'est pas du tout ça. » La vraie force du mannequin, c'est la même chose qu'un acteur. C'est que t'es capable de transmettre une émotion. C'est un vrai putain de métier. Et en plus, mannequin, ce qui est encore plus dur, c'est qu'on te demande de choper plein d'émotions. Donc on va te demander de changer, de proposer des choses. Donc c'est ça qui est agréable de bosser avec un mannequin professionnel, c'est qu'il va faire toute sa partie du boulot qui te permet toi de te concentrer sur ta light et des choses que tu veux choper. Si c'est pas un mannequin, tu vas devoir ajouter quelque chose en tant que photographe qui est de guider la personne pour obtenir ce que tu veux. Donc le niveau 1 de la photo, j'ai envie de dire, c'est t'es là, la personne est là, tu shootes et tu vois ce que tu arrives à obtenir. Le niveau 2 de la photo, c'est de te dire mon personnage, qu'est-ce que je vais vouloir raconter avec. Okay. Donc là au début, j'ai vu que tu savais pas trop quoi faire et tout, et j'ai voulu te faire marrer un petit peu. je voulais pas apparaître sur les photos. Et je voulais ce côté spontané, genre tu te marres en stade des bars et tout, parce que c'est très dur en fait de rire spontanément aussi. C'est super dur. Mais du coup là, j'ai vu que ça partait sur ça, donc j'en ai profité pour mitrailler au moment où moi j'estimais que c'était un rire authentique. Et du coup, après l'idée c'est de se dire, ok, qu'est-ce qu'on est en train de shooter? Est-ce que c'est un truc corporate? Et donc il va falloir un truc sérieux. Est-ce que c'est un truc corporate mais de vente? Donc il faut être sérieux mais souriant et accueillant. Est-ce que c'est du mannequinat? Donc il faut être sérieux, beau gosse, un truc un peu charismatique.
Est-ce que tu shootes la personne ou est-ce que tu shootes la fringue? Auquel cas, si tu shootes la fringue, il faut que le mannequin soit présent mais s'efface un peu derrière le vêtement et qu'on voit les spécificités du vêtement. Est-ce que tu vas shooter du cheveu? Auquel cas où tu vas travailler la brillance du cheveu et tu vas faire une pose qui montre plus le cheveu. Okay. Et dans ce cas-là, tu vas faire un maquillage le plus neutre possible pour pas que le maquillage prenne le dessus sur le cheveu. Est-ce que tu shootes du maquillage auquel cas les cheveux vont être plus simples et tu vas travailler la bouche ou les yeux, etc. Tu vois, et il y a toutes ces choses-là ensuite qui rentrent en compte. Quelle est l'histoire que tu veux raconter? Et j'ai l'impression que j'ai appuyé genre sur le bon bouton avec Steven en mode je ne connais pas la photo studio et j'ai envie de m'y mettre, j'ai envie d'apprendre. En fait, il y a plein de choses qui sont liées. Le matos, la lumière, tes réglages, le mannequin et ensuite toutes les émotions, le travail du maquillage, le travail des fringues, les cheveux, etc., etc. Tu viens de citer plein de choses qui sont toutes bonnes et qui sont toutes des outils au service d'une chose, de l'histoire que tu veux raconter. Quand tu regardes la photo, ce que tu comprends, ce que tu ressens, tout ce que tu viens de dire, c'est les outils qui permettent de l'atteindre. Okay. Et souvent, l'erreur que font pas mal de photographes, c'est que tu shootes un peu au pif, il y a du make-up, il y a du cheveu, il y a de la fringue, c'est cool. So what? Donc tu mélanges un peu tout, tu prends une photo et parfois ça a l'air bien, ça fait pro, c'est cool, mais tu sais pas trop ce que tu as voulu raconter. Il n'y a pas d'intention. La bonne façon de travailler, c'est de se dire dans l'autre sens, mon intention c'est ça, et donc les fringues c'est ça, donc les cheveux c'est ça, donc le maquillage c'est ça, donc le mannequin c'est cette personne parce qu'elle raconte cette histoire. Incroyable. Est-ce qu'on essaye un petit peu? Moi derrière la moitié ou toi? Non, tu veux... t'es ouf. Jamais. Ah, tu veux essayer? Ouais. Vas-y, tu veux. Oh putain. Alors ensuite j'ai pris le boîtier et là c'était une première. Ok, couverture de magazine pour tattoo cover. Ah, c'est incroyable. Y'a rien de lumière, ça rebelle. Sachant que tu n'auras pas du tout le même rendu que ce que tu vois. Ah oui. Parce que là tu vois une lumière naturelle. Tu vois une lumière naturelle dans ton boîtier. Ouais. Quand tu prends la photo, le flash est tellement puissant que ça overwrite tout ce que tu peux voir. Ok. J'aime me beurrer la biscotte. Si tu veux être... C'est cool, c'est puissant. Alors pourquoi shooter en noir et blanc? Le noir et blanc, on travaille uniquement sur la lumière, donc sur ce qui est éclairé versus ce qui n'est pas éclairé. Alors qu'en couleur, tu joues aussi sur les contrastes de couleurs, tu vas jouer du rouge par rapport à du vert, qu'est-ce que ça raconte. En couleur, tu laisses tomber tout ça. En noir et blanc, tu laisses tomber tout ça. En noir et blanc, tu vas t'occuper que de où est-ce que c'est exposé, où est-ce que c'est pas exposé, quelles sont les lignes de force qui vont en découler, quels sont les trajets de lumière qui se passent dans ta photo, et donc je shoot directement en noir et blanc pour pouvoir le juger directement. Et tu parles beaucoup d'histoire, de storytelling. Pour toi, l'interprétation est beaucoup plus forte avec une photo en noir et blanc qu'une photo en couleur? Pas forcément. C'est juste que dans mes portraits, j'essaye, moi, pour mon style, mais c'est ma signature, d'enlever tout ce qui est artificiel de ma photo pour me concentrer uniquement sur l'émotion originale de la personne, et je vais essayer toujours de faire dégager quelque chose de powerful, genre en gros je me kiffe mais sans arrogance, genre je me kiffe, si tu me kiffes pas c'est vraiment pas grave, mais moi je suis bien dans ma peau en fait. Ce truc là, cette énergie là, et quand tu regardes tout mon travail, tu vas ressentir ça sur toutes les photos. C'est, t'as jamais la meuf arrogante qui te méprise et tout, t'as jamais la meuf un peu qui sait pas trop, ça va être le côté genre heureuse d'être en vie, en phase avec moi-même, en phase avec la planète, en phase avec les autres. Tu vois, on parle beaucoup de signature en photo de voyage, chaque photographe a une signature et je pense que ce qui différencie un photographe pro d'un photographe amateur, comment tu définis ton style de photographe mode, toi? Ben, en fait, je pense même avoir une signature commune à la photo de voyage et à la photo de mode. Okay. C'est-à-dire qu'en voyage, tu vois l'histoire que je viens de te raconter sur ma vision de la féminité qui est bien dans sa peau et en phase avec soi-même, j'ai la même en voyage en fait. C'est-à-dire, il faut protéger la planète, mais pas. Enfin, je vais pas défendre la cause soyons tous vegan, arrêtons de prendre l'avion, etc. Mais je vais défendre la cause genre. Respecte ta planète en fait, t'es sur une planète de ouf, et c'est un peu la même chose que j'essaie de raconter dans les deux, c'est t'as qu'une vie en fait, t'es là qu'une fois, la meilleure façon de le vivre c'est quand t'es dans le moment et que tout est ok, que t'es en phase avec toi-même, avec le monde qui t'entoure, etc. Et tu peux le raconter en mode, tu peux le raconter en voyage, et ça c'est le fruit de ma philosophie en fait, tu vois, que j'essaie de retransmettre. Ouais. Mais il m'a fallu des années pour comprendre que je voulais raconter ça. Ouais, c'est pas actif, c'est pas genre tiens je vais raconter ça, c'est plutôt genre introspection dans des voyages, à force de shooter, à regarder mes photos, et à me dire celle-là je la trouve vulgaire, celle-là je la trouve parfaite, quelle est la différence? Ah ouais, là le shoot, je sens que la fille en fait il y a un côté sexuel, un côté genre drague qui m'intéresse pas. Alors qu'il y a des photographes, ils vont au contraire essayer de faire des trucs sulfureux, où la fille tu comprends que genre... il y a un jeu qui va se mettre en place, c'est pas du tout le truc qui m'intéresse. Et voilà, et je pense qu'il y a plein de photographes qui sont
victimes, ou en tout cas sujets de ce qu'ils veulent raconter. C'est-à-dire que c'est pas eux qui sont en maîtrise de ce qu'ils racontent, c'est que malgré eux, ils racontent un truc et ils savent pas pourquoi. Okay. Et en plus, du coup, quand tu sais pas pourquoi, tu n'y arrives pas à chaque fois. Donc t'as des... quand t'as pas encore ta signature, c'est que tes photos, il y a un truc qui ressort, qui fait partie de ce qui est enfoui au fond de toi et que tu cherches à exprimer en tant qu'artiste, et tu l'as pas, quoi. Tu tournes autour, donc t'y arrives pas à chaque fois et le truc est pas précis. Et le moment où t'arrives vraiment à te dire, putain, mais c'est ça, moi, ma vision du voyage, ma vision de la féminité, ma vision d'une marque aussi. Okay. Et c'est ça, en fait, c'est vraiment la clé, c'est un des travaux les plus difficiles à faire. Il faut travailler, il faut faire de l'introspection, il faut débriefer sur les shoots que tu fais, il faut discuter avec d'autres gens, et puis il faut jamais lâcher l'affaire, quoi. J'adore, c'est incroyable. Et c'est tout simplement ce qu'on est en train de faire, ouais. Donc c'est cool. Qu'est-ce que tu me conseilles pour commencer la photo studio? Est-ce qu'il faut que j'investisse dans des grosses lights? Est-ce qu'il m'en faut une? Est-ce qu'il m'en faut deux? Est-ce qu'il me faut un fond? Est-ce qu'il me faut d'autres choses? Alors la première chose essentielle dans laquelle il faut investir, c'est la formation Six qu'on va lancer bientôt dans l'académie. T'as pas besoin d'un matos compliqué, c'est un peu comme dans tout, tu peux commencer, en fait c'est toujours la même règle en matos, tu peux commencer avec de l'entrée de gamme et tu peux faire des trucs qualitatifs, mais en vrai, il faut être très bon pour faire des très bonnes photos avec de l'entrée de gamme, okay. En vrai de vrai. Genre maintenant, t'aurais du mal à repartir sur un appareil très basique, tu serais vachement limité, mais tu peux. Donc ça monte vite, cher en prix. Une light comme ça, c'est quoi à peu près, 3-4000 balles? Ouais, celle-là c'est 3000 balles. Ok. Mais le setup complet, c'est plutôt pas loin de 4000 balles, le truc ensemble avec le parapluie, le truc et tout. Ok. Et ça c'est un flash très spécifique. Le truc plus classique, c'est d'avoir des têtes de flash avec un générateur. Et le matos studio classique que tu vois juste sur n'importe quel job, le truc normal, c'est entre 10 et 20 000 balles le générateur et 1, 2, 3000 balles la tête de flash, et t'en faut 2 à 3. Donc t'es sur 20-25 000 euros de matos entre les diffuseurs et tout, ouais, pour ça, un shoot. C'est très haut de gamme. Ouais, mais quand tu vas sur un job, si t'as pas ça, c'est comme si t'as pas un réflexe sur un job, on va te dire, what? Ah ouais. Tu sais, genre, c'est un photographe, il va donc avoir un réflexe. Les lights coûtent plus cher qu'un ensemble optique boîtier. Oui et non, parce que si tu vas sur un job pro vraiment, où tu fais de l'affichage et tout, tu vas aussi avoir un boîtier qui vaut 100 000 euros. Tu vas avoir un Phase One ou un Hasselblad, où tu as le boîtier qui vaut 3-4 000, le dos numérique voilà, qui vaut 50 000, 60 000 euros, et les objets qui valent 4-5 000 balles l'objet, et tu en as 2-3. Mais si tu veux t'amuser chez toi avec du flash, je pense que tu as des marques d'entrée de gamme qui te permettent d'avoir un setup complet avec plusieurs flashs, probablement pour 1000 balles. Okay. Et un seul flash, probablement pour 500 balles. Je t'avouerai que je connais pas trop le marché sur ces flashs, ouais. Mais ça existe forcément. C'est incroyable. Mais tu vois, je rentre dedans parce que j'ai envie de tester sur l'humain, mais aussi parce que j'ai des demandes sur du matos, sur des produits, sur des vélos, sur bien sûr. Diverses choses. Et c'est vrai que j'essaye chez moi avec de la lumière continue, ouais. Je mets un petit fond, mais finalement, en termes de puissance, c'est pas assez pour de la photo. 100%. Et du coup, se pose la question depuis un petit bout de temps de passer sur la photo flash. Je crois que tu m'as convaincu. Donc les amis, j'espère que ça vous a plu. Je pensais faire juste un petit bout de vidéo dans une vidéo. Je pense que ça va être une vidéo à part entière. En tout cas, merci pour la démo, c'est hyper sympa. A très vite mon ami. Yes. Ciao. Et allez suivre Steven sur les réseaux, sur Six. Steven Hertler. Ouais, c'est ça. C'est déjà bien parce qu'après, c'est trop le bordel. Ouais, après, c'est le bordel. C'est la mode de Steven Hertler, c'est le voyage. A très vite. Yes. Ciao. Salut, man. Bref, les amis, c'était finalement pas 5 minutes, mais c'était une bonne quinzaine, voire une vingtaine de minutes. Hyper formateur. Steven est toujours très pro dans ses explications. C'est toujours hyper intéressant de l'entendre parler. Ça m'a vraiment donné envie d'investir dans du matos studio, dans des flashs, dans des fonds, dans des modeleurs, dans des diffuseurs. Donc je pense qu'il va y en avoir pour 2 ou 3 000 balles. N'hésitez pas, vous, à me dire si vous avez déjà shooté avec des flashs studio, si vous avez l'habitude de shooter avec, et si oui, quel est votre setup ou qu'est-ce que vous me recommanderiez. Ça peut être hyper intéressant. En tout cas, je pense que je vais investir dans les jours qui arrivent, mais c'était vraiment un truc de ouf. Merci Steven, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, et on se dit à mercredi pour la suite des aventures. Vous allez voir, ça va être très sympa. Bref, les amis, à très vite. Ciao.